On va commencer par un très très bref panorama sur l'informatique dans l'enseignement supérieur. Merci Jean-Pierre. Donc oui, je suis enseignant-chercheur en informatique et je suis vice-président de la Société informatique de France. Un petit mot sur la CIF. Donc c'est la société savante d'informatique en France. Donc l'objectif, c'est de réunir tous ceux pour qui l'informatique, c'est un métier, c'est une passion, et puis de promouvoir l'informatique globalement, de représenter cette communauté des informaticiens, donc la représenter, être l'interlocuteur du ministère, d'administration, des entreprises, des médias éventuellement. Donc ça, c'est un peu les objectifs. Les actions de la Société informatique de France, au-delà de cette représentation, c'est aussi des journées, des congrès, donc des choses en relation avec le libre. Moi, c'est la dernière journée recherche, le thème était les formations Bac plus 5, Bac plus 8 et l'innovation dans les entreprises, donc quelque chose où le libre a sa place. Le prochain congrès qui a lieu à Orléans en février, c'est, on en parlait tout à l'heure, l'informatique et les femmes, enfin les femmes et l'informatique au féminin. Donc là aussi, où il y a une spécificité du libre et des choses sur lesquelles échanger. Donc voilà des actions qu'on mène actuellement. On mène des actions aussi de médiation scientifique, donc faire découvrir l'informatique et promouvoir l'informatique en tant que la science qui est au cœur du numérique auprès de tous les publics. Donc c'est aussi une des missions qu'on a à la CIF. Alors ensuite, sur l'enseignement supérieur et les filières informatiques d'enseignement supérieur. Donc l'enseignement supérieur, globalement, la communauté des enseignants-chercheurs en informatique, c'est la plus grosse communauté d'enseignants-chercheurs en France. Donc c'est là où on est le plus nombreux depuis longtemps. Il y a des formations bien établies, des DUT informatiques, des licences master, qui s'appelaient maîtrise dans le temps, ou DESS, qui sont établies depuis 40 ou 45 ans, donc des choses qui ont leur place dans le paysage, qui forment des informaticiens. Donc ça, c'est quelque chose qui a bien sa place. Alors, il y a un autre aspect, c'est l'enseignement de l'informatique dans les filières non informatiques. Alors, dans l'enseignement de l'informatique dans les filières non informatiques, eh bien, il y a un peu de tout. Ce n'est pas nécessairement fait par des informaticiens. Ça peut être orienté usage. Ça peut être, un préalable quand même, ce qui fait qu'on en est là, c'est qu'il n'y a pas d'informatique dans le secondaire. Donc, il y a une nécessité d'enseigner un peu d'informatique, tout le monde le sent bien dans chacune des disciplines, pour chacune des personnes qui va sortir des formations de l'enseignement supérieur. Donc il y a une nécessité d'enseigner cette informatique. Ce n'est pas toujours fait par les informaticiens, ce n'est pas toujours fait en prenant le temps d'examiner des fondamentaux, parce qu'on a peu de temps, on sort du secondaire analphabète en informatique avec des étudiants dont ce n'est pas la discipline, on va juste leur donner un vernis, quelque chose qui leur permettra de faire un minimum. Ils n'auront pas forcément de recul sur ce qu'ils vont apprendre. Donc ça, c'est la situation. À côté de ça, on a, disons, dans un cursus d'ingénieur classique, on a maintenant, tout récemment, depuis l'an passé, un programme d'informatique dans toutes les classes préparatoires. Donc c'était pas le cas avant, donc c'était un petit peu quand même questionnant. On a quelque chose qui s'est mis en place, reste à évaluer un petit peu ce qui va en sortir et quand est-ce que les écoles vont effectivement mettre des épreuves d'informatique à l'heure au concours. Donc des choses de ce type-là, donc ça reste des actions qui restent à mener dans le domaine. Alors ensuite, pour en venir au logiciel libre. Alors je pense qu'une position un peu partagée par les universitaires, c'est on y est plus ou moins favorable, sans faire d'évangélisme sur le logiciel libre, en se disant qu'il y a des valeurs là-dedans de partage, d'élaboration commune des connaissances, etc., dans lesquelles on se reconnaît, donc ça va bien. À côté de ça, on a aussi une mission de former à des étudiants qui vont sortir sur le marché. Donc il faut aussi les former à toute l'informatique, je dirais, entre guillemets, et pas que l'informatique libre. Et puis ce sera à peu près ça la position. Alors je pense que c'est peut-être une position qu'on pouvait tenir historiquement. C'est une position qui devrait évoluer. La place du logiciel libre, globalement dans l'informatique, elle est de plus en plus grande.
Je pense que tous les enseignants en informatique n'en prennent pas conscience, donc il y a des choses à faire. Bon, cette place grandissant, c'est aussi enseigner le logiciel libre, c'est aussi d'autres méthodes qu'il faut enseigner. On parlait tout à l'heure de méthode agile, c'est aussi d'autres concepts de collaboration, d'organisation pour pouvoir développer à grande échelle. Donc il y a des choses qui se font. Globalement, la communauté est peut-être assez réceptive, mais il faut lui envoyer un message peut-être un peu plus direct. Et puis à côté de ça, il existe quand même un certain nombre de formations dédiées au logiciel libre. Donc il y a des masters de ci, de là en France, je ne sais pas. Peut-être Roberto pourra en parler un peu mieux, ou je ne sais pas, non, si. qui ont pris ce thème comme le thème central de leur formation et qui forment à ces choses-là. Donc voilà rapidement un petit état du paysage, l'enseignement supérieur en informatique et les logiciels libres en France. Merci Philippe. Donc je me tourne maintenant vers Roberto. Donc je ne te présente pas, hein, présente plus. Donc. Du point de vue du contenu, qu'est-ce qu'il y a de spécifique ? Tout à l'heure, je disais qu'une procédure récursive n'est pas en elle-même propriétaire ou libre, mais est-ce qu'il y a des spécificités qui donnent lieu à enseignement et recherche, spécificités de l'informatique libre ? Oui, c'est une question qui peut revenir assez souvent, hein, de se demander pourquoi, est-ce qu'il y aurait vraiment une différence entre le logiciel libre et le logiciel propriétaire quand on fait de l'enseignement ? Bien, laisse-moi prendre le temps de faire quelques petites distinctions. C'est-à-dire, si on est en train de parler d'un logiciel qu'on utilise comme un outil, je ne sais pas moi, un logiciel DCA ou un compilateur pour compiler du code ou un traitement des textes ou quelque chose comme ça, mais, au moment de l'usage, effectivement, si on est juste utilisateur, on n'essaye pas du tout de comprendre comment il est fait dedans. Si on ne regarde pas trop loin, on ne se rend pas trop compte de la différence, n'est-ce pas ? On est juste utilisateur de quelque chose. Après, c'est important d'avoir... Moi, je préfère avoir un logiciel libre pour savoir comment il fonctionne, mais pour quelqu'un qui ne sait pas regarder dedans, il ne peut pas forcément voir la différence. Par contre, quand on commence à enseigner l'informatique, alors moi, je me vois très, très, très mal enseigner des concepts, des bases d'informatique sans montrer les codes sous la base desquels j'ai transmis ma connaissance, donc les codes que j'écris au tableau ou que j'écris dans un fichier que je donne à mes étudiants, il faut qu'ils puissent l'utiliser, les voir, les tester, l'expérimenter, les modifier, l'adapter à leurs besoins. Bah, finalement, même si je n'ai pas mis des licences dessous, implicitement, je suis en train de faire du code en logiciel libre. Je ne suis peut-être même pas au courant du fait que je l'ai fait. D'accord ? Mais c'est normalement ce qu'on fait régulièrement quand on enseigne de la programmation, on enseigne de l'algorithmique. On ne va pas s'amuser à dire aux gens, bon, je vous ai montré cet algorithme, vous n'avez pas les droits de l'utiliser après dans vos programmes. Ça serait quand même un peu bizarre. Hein. Donc, qu'est-ce que je leur ai appris, hein? Il faut qu'on leur permette de travailler des noms. Cela dit, voilà, donc ça c'était une remarque liminaire qui me semblait quand même importante. Des fois, on ne s'y rend pas compte, mais on fait du logiciel libre tout le temps quand on enseigne à la fac, même si on utilise des outils propriétaires. Et après, il y a des spécificités qui sont particulières, c'est-à-dire, maintenant, on se retrouve dans un monde, je pense que, Philippe, je ne sais pas si on a le même âge, je vois, au niveau cheveux, on est pareil, donc ça doit être pareil. Donc, on a bien connu une époque dans laquelle, effectivement, on apprenait juste des petits bouts de code un par an, on faisait des petits algorithmes un par an, on les testait tout seul dans un coin. On n'avait pas accès à des codes importants ou donc des tailles remarquables avec l'accès à leur code source. Donc il était difficile de faire autrement que fonctionner avec les vieilles techniques de génie logiciel d'une fois, c'est-à-dire avec des cahiers des charges, on ne développe pas tout entier, après on va tester plus tard. Bah, ce monde-là a pas mal changé, c'est-à-dire maintenant on a des énormes bases de codes qui existent. Déjà, il y a des composants qu'on réutilise systématiquement. On est obligé de construire dans la vie réelle des logiciels qui ne sont pas figés, mais qui doivent s'adapter à l'évolution des besoins, des cahiers des charges pour les utilisateurs à un moment donné. Donc on est confronté systématiquement à une façon de travailler sous les logiciels qui n'a rien à voir avec celle qu'on m'a appris moi quand j'étais sous les bancs de la fac. Donc la grosse question est comment on peut essayer d'aider nos futurs étudiants à avoir des compétences, c'est nos étudiants courants, à avoir les compétences dont ils auront besoin quand ils vont arriver sur des vrais problèmes dans lesquels on va les insérer dans les cadres de développement qui réutilisent des bases de code importantes, des technologies dans lesquelles les méthodes de conception et de développement, là on les appelle méthodes agiles, c'est un thème un peu vague, mais donc c'est essentiellement du développement collaboratif de différentes natures, il y a plein de méthodes différentes. Comment on va faire pour faire en sorte qu'ils puissent être
pas perdu dans cet environnement nouveau. Donc effectivement, il y a des techniques pédagogiques qu'il faut adapter. Il faut être capable de mettre un peu plus en avant les travails en projet, ce qui est un défi non banal. Parce qu'après, évaluer du travail qui est fait en projet, ce n'est pas si facile que juste mettre une note sur une copie qui a été faite de façon individuelle. Donc ça demande pas mal d'investissement en plus. Il faut aussi des compétences, disons, un peu, soft, je ne sais pas comment appeler ça, directement pour arriver à transmettre la capacité de travailler de façon collaborative. Ce n'est pas quelque chose auquel on est beaucoup habitué. Donc là, il y a vraiment des défis nouveaux. Et par ailleurs, j'aimerais bien le dire ça, ce n'est pas quelque chose qui est purement spécifique au monde du logiciel. C'est-à-dire, j'aimerais bien qu'autant que les mathématiques sont enseignées par des mathématiciens, justement en première année à la fac, d'abord que l'informatique soit enseignée par des informaticiens en première année à la fac, je pense que ce serait bien. Mais même pour des gens qui ne doivent pas faire de l'informatique, donc en sciences sociales, en littérature, en biologie, en chimie, les problèmes de comment travailler de façon collaborative, quels instruments utiliser pour partager des connaissances, pour prendre des décisions de façon collaborative, ça, ce sont des compétences qui sont essentielles. Donc là, il y a toute une longue expertise qui a été développée dans les mondes du développement ouvert dans les cas de logiciels libres, qui mériterait d'être vraiment étudiée, formalisée, mise en valeur et mise à disposition d'autres disciplines, juste pour être capable de comprendre comment ils peuvent s'organiser pour comment contribuer. Alors après, évidemment, il y a d'autres questions, pour continuer sur la réponse, c'est spécificité du monde du logiciel libre. Vraiment, on est arrivé à un moment dans lequel on peut aujourd'hui retrouver des bases de code gigantesques qui existent et qui sont disponibles pour être réutilisées, qui n'existaient tout simplement pas, qui n'étaient pas du tout accessibles il y a 30 ans, par exemple. Non, ça pose des défis énormes. Ça pose des défis en termes, par exemple, tout simplement, très bêtement, comment évaluer les travaux d'une personne, comment je peux savoir si c'est un travail qui a été fait par la personne et pas juste un copier-coller d'un bout de code qui a été retrouvé quelque part ailleurs, comment savoir si les personnes ont vraiment collaboré ensemble. Donc, toutes ces thématiques, toutes ces problématiques-là sont des problématiques relativement nouvelles, auxquelles on ne s'est pas vraiment complètement attaqué. Donc, on est face vraiment à un vrai défi. Comment changer notre pédagogie pour s'adapter à un monde qui est plus exigeant, qui est plus intéressant que ce qu'on a connu avant. Mais pour arriver à faire ça, il faut dégager du temps, il faut dégager de l'énergie. Donc il serait déjà bien, par exemple, et là j'ai rejoint tout à fait les remarques qu'on a fait tout à l'heure, quand on récupère nos étudiants qui arrivent en première année à la fac, qu'on ne passe pas notre temps à leur apprendre comment faire 2 plus 2. C'est-à-dire qu'ils arrivent un peu alphabétisés, je ne dis pas très alphabétisés. C'est-à-dire de la situation actuelle dans laquelle on récupère plein de monde qui est incapable d'écrire la moindre ligne des programmes n'est pas une situation possible. Moi, je pense que mes collègues mathématiciens seraient complètement, contraires à voir arriver sur un cursus de mathématiques des gens qui n'ont jamais fait d'addition dans leur vie, n'est-ce pas ? D'ailleurs, on commence à un niveau un tout petit peu plus élevé. Mais ça, c'est un défi qui n'est pas facile. Donc je pense aussi, côté CIF, il faudrait le regarder en détail parce qu'on est en train de travailler sur une évolution des programmes au lycée. Donc on est en train de préparer, on espère, d'y arriver, des nouvelles générations qui vont arriver mieux formées sous les premières années. Est-ce qu'on est en train aussi, en parallèle, de travailler sur comment adapter les programmes qu'on aura, nous, dans les premières années, à ces nouvelles générations-là. Parce que si on laisse ces programmes dans lesquels on fait x égale x plus 1, ils vont s'ennuyer, ils vont partir ailleurs. On va faire des maths financières ou, je sais pas, d'autres types de cursus. Donc, il y a un travail coordonné qu'il faut un peu faire. Pour arriver à faire ces travaux coordonnés, il faut une certaine stabilité et visibilité dans ce qui vont être les politiques publiques. C'est-à-dire, il faut qu'on sache si les options informatiques au lycée vont bien être maintenues, généralisées ou pas, dans quelles conditions. Est-ce qu'on va nous donner les moyens de former les enseignants au lycée? Est-ce qu'on va continuer de travailler de façon bricolée en prenant des volontaires, en les formant comme on peut, sur 30 heures, sur une année? Donc, il faut un peu plus d'efforts, un peu plus de visibilité. C'est vrai que si on regarde certains pays voisins, par exemple l'Angleterre, pour ne pas la mentionner, ils sont peut-être moins abstraits que nous, un peu plus non orthodoxes. Ils ont pris les problèmes au bras des corps. Là, c'est clair que la formation à l'informatique des bases, qui n'est pas l'informatique la plus noble, forcément, dans les secondaires et même dans les primaires, est déjà en marche.
Alors qu'ici, on continue de se battre pour arriver de voir hein, si on a notre lettre de noblesse dans tout ça. Merci Roberto. Bon, tu as effectivement mis l'accent sur un point qui est important, c'est la formation des profs et de dire qu'il faut que ce soit des informaticiens qui enseignent l'informatique. Et ça, c'est une question qui n'est pas encore gagnée. On a été reçu il y a une quinzaine de jours là, au cabinet du ministre, de la ministre de l'Éducation nationale. Et quand on demande alors un CAPES, une agrègue d'informatique, la réponse c'est on est en train d'y réfléchir. Quoi. Donc dans toutes les disciplines, il y a des spécialistes. Alors pourquoi y aurait-il un sort particulier pour l'informatique ? C'est un problème. Je me tourne vers notre Philippe Montargès. Donc quelles sont les attentes des entreprises en matière de... Les attentes des entreprises, elles sont multiples. Déjà, j'ai trouvé très intéressante la première table ronde où on parlait d'élitisme. Et ce qu'on constate, c'est que les besoins... Et aussi la deuxième intervention du monsieur qui présentait le rapport au PIEC, qui était intéressant. On voit bien qu'il y a un gap entre ce que peut fournir le système éducatif au sens large en termes d'informaticiens confirmés et formés et le besoin des entreprises. On a... Donc, d'une part, ce qui m'a marqué, c'est qu'effectivement, on constate qu'il y a très peu de formations qui débouchent sur des compétences open source directement, utilisables dans le cadre de projets d'entreprise. Ça, c'est le premier point. Alors, il parlait de 84%, de 84% des besoins, des gens qui travaillent dans l'open source qui s'étaient auto-formés, ce qui me paraît énorme par rapport à la réalité des choses. Je pense que les entreprises ont un besoin fort, effectivement, pas d'être formées systématiquement à l'open source, mais surtout d'avoir des étudiants qui soient prêts à être dans un monde d'entreprise où il faut évoluer, où les métiers évoluent très vite. La réalité des entreprises, c'est qu'effectivement, les métiers actuellement, alors je sais que le mot numérique peut heurter, mais les métiers globalement de l'univers du numérique, ils évoluent à très vite. Il y a 5 ans, on ne parlait pas de data scientist, on en parle beaucoup maintenant. Comment on les forme, ils ne sont pas formés actuellement. Donc ça, c'est un vrai point qui se pose, le rythme entre guillemets entre le monde de l'enseignement, le rythme de l'enseignement et le rythme de l'adaptation à la formation à ces métiers-là et la réalité des entreprises qui évoluent une vitesse très haute, on n'est pas sur le même tempo. Je crois que là, il y a un point. Alors, pour essayer de rapprocher ces rythmes-là, je pense qu'il y a une responsabilité des entreprises. Et c'est le cas dans beaucoup d'entreprises qui travaillent dans le livre pour l'open source, c'est une responsabilité sociale mais aussi sociétale de pouvoir aussi faire en sorte que les organismes de formation, l'enseignement aussi, entre guillemets, en les titillant aussi, en fournissant aussi, en se rapprochant d'eux, puissent aussi aider à ce qu'il y ait plus de gens qui soient formés rapidement ou être aptes à former à ces nouveaux métiers. On parle d'élitisme, on dit qu'effectivement les entreprises ont le souhait de recruter que des bac plus 5, des ingénieurs. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on considère l'entreprise qu'un ingénieur ou quelqu'un qui a un bac plus 5, il est plus apte à changer rapidement de métier ou des technologies et que ça correspond aux besoins des entreprises. Donc c'est cette aptitude à évoluer, c'est cette aptitude à bouger rapidement dans le cadre de sa carrière qui compte pour l'entreprise. Là aussi, je pense qu'il y a de l'élitisme, il y en a partout. On parlait de code tout à l'heure. Les métiers du code, et on a besoin dans l'entreprise, bien sûr, de chefs de projet, d'intellectuels peut-être de l'IT, mais on a surtout besoin de doers, de gens qui font, qui fabriquent, qui sont dans les projets, qui les mènent à terme. Alors moi, je suis persuadé, c'est pour ça que ce soit chez Alterway, dans notre entreprise, mais aussi dans toutes les organisations dans lesquelles on travaille, je suis persuadé que on peut contribuer, que les entreprises ont un rôle à jouer et pour accélérer effectivement le fait que dans l'enseignement supérieur, dans les universités, dans les écoles, la formation à ce que j'appelle moi, j'en parlais hier, la Student Demo Cup, la formation du basique, que devrait être, on parle de basique quand on parle de vêtements souvent chez les femmes, le basique, que devrait avoir un étudiant ou un ingénieur qui sort d'école, mais le basique, ça devrait être effectivement la maîtrise de technologies libres, la maîtrise de... Parce que technologie, le libre, c'est pas uniquement une technologie, c'est aussi un savoir-faire, c'est un travail collaboratif. Et ce qu'on attend, ce sont des étudiants qui sont formés à la fois
un minimum de composants, un minimum d'outils, mais aussi qu'ils soient capables de travailler dans un modèle de type open source, c'est-à-dire en collaboratif, en intelligence collective, en être capable d'être dans les jeux de projet, et c'est ce qu'on attend de ces gens. Donc on souhaite effectivement que les entreprises aille aussi vers l'enseignement pour dire, voilà, nous, on a besoin de ça et nous, on peut faire ça. Et à ce titre-là, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises, on le fait, on est capable de proposer à certaines universités, à certaines écoles, nous, on l'a annoncé hier avec une école d'ingénieurs qui est l'EPSI, des chaires open source où l'entreprise va s'engager par rapport à cette école-là pour dire, ben voilà, sur 4-5 ans, on est prêt à fournir un certain nombre d'expertises, on est prêt à assumer un certain nombre de cours ou d'expertise, on est prêt aussi à prendre des stagiaires, on est prêt à faire un échange, et je pense que c'est win-win, c'est gagnant-gagnant pour, et pour l'école et pour les entreprises. Donc je pense que c'est là, notamment pour les entreprises du secteur de l'open source, hein, qui sont regroupées pour beaucoup dans le CNLL, c'est un enjeu fort pour elles d'aller, de pas toujours attendre tout. Mais on a des choses intéressantes à proposer, on a des projets intéressants à proposer, on a des innovations auxquelles il faut que les étudiants participent, on a des choses qui peuvent être très attractives. Il faut qu'on aille vers plus l'enseignement supérieur pour faire voir ce qu'on peut proposer, pour faire bouger aussi les lignes, parce que je sais que vous avez besoin de cette pression-là aussi, positive et amicale, pour qu'effectivement on puisse faire évoluer ce tempo, cette différence de tempo entre l'enseignement tel qu'il est, entre guillemets, fait actuellement, et les besoins nouveaux et émergents qui apparaissent en permanence. Merci Philippe. Oui, effectivement, hein, il y a besoin que le monde de l'entreprise fasse pression sur le monde de l'éducation pour qu'il y ait effectivement des formations en informatique qui correspondent aux besoins. Alors, je me tourne vers Suzanne Lam, de la société Enix, qui va nous reparler de reconversion. Alors, simplement, je fais remarquer, il y a 2-3 ans, on avait, aux Rencontres mondiales du logiciel libre, organisé une thématique sur les femmes dans le logiciel libre, parce qu'on avait été un peu surpris. On avait vu la proportion des femmes dans le logiciel libre qui était de 6%. Donc là, 8 intervenants, une femme, on est au-dessus de la moyenne, donc ça va. Merci. Merci Jean-Pierre Chambaud. Effectivement, donc, pour rebondir, entre le décalage qu'il peut y avoir entre le besoin des entreprises et le temps d'enseignement pour répondre justement aux attentes, je souhaitais vous présenter notamment donc, la reconversion comme une alternative pour répondre assez rapidement aux attentes des entreprises, notamment sur les métiers du développement, aujourd'hui qui représente une part importante des métiers du numérique, et également sur le test. La reconversion donc, via Enix Formation a été initiée dans le cadre d'un dispositif spécifique qui s'appelle Reconversion 200 par un consortium d'entreprises engagées, donc on parlait de responsabilité sociétale, qui ont la volonté de financer la formation pour ces chercheurs d'emploi qui vont par la suite intégrer directement leur structure et leur permettre ainsi de poursuivre leur développement en répondant à leurs besoins en compétences. Concrètement, donc, cette reconversion professionnelle, bien sûr, elle ne peut pas se faire sans un certain nombre de prérequis et pour un retour à l'emploi assez rapide. Elle se fait dans un premier temps donc, grâce à une offre de formation qui est adaptée et en sélectionnant préalablement des profils. Malheureusement, on revient un petit peu à l'élitisme dont vous parliez tout à l'heure. Donc l'offre de formation, d'une part, elle doit être assez courte. Je vais vous l'illustrer concrètement via la formation qualité logicielle. C'est une formation donc, intensive de 3 mois. Où non seulement l'ensemble des stagiaires là vont avoir bien sûr une journée de cours classique avec un apport théorique, méthodologique, mais surtout une part importante de cas pratiques qui peut représenter jusqu'à 60%. En parallèle à ces journées, ils vont directement mettre en place les nouvelles compétences acquises via différents projets qu'ils vont mener, 3-4 projets.
Sur la formation qualité logicielle, donc on va également s'appuyer sur le libre. En l'occurrence, là, ce sera un logiciel de test management Squash, donc complètement open source. Bien sûr, pour mener à bien et assurer un retour à l'emploi assez rapide, il y a une sélection au préalable, où on parlait de flexibilité et d'adaptabilité tout à l'heure. Effectivement, on va sélectionner préalablement des profils Bac plus 4, 5 ou voire plus. Qui vont procéder à des tests. Ils vont bien sûr avoir des tests et passer devant un jury de sélection qui va justement bien déterminer leur motivation et s'assurer qu'ils pourront par la suite créer vraiment une synergie de groupe pour mener à bien leur projet professionnel. Le résultat de la reconversion professionnelle actuellement, c'est un taux supérieur de 90% de retour à l'emploi. Donc, ça marche. Ce sont des profils qui, au-delà d'être compétents immédiatement et de pouvoir intégrer directement une entreprise et travailler en équipe, ils peuvent en plus de ça apporter une réelle valeur ajoutée au regard de leur expérience professionnelle passée, avoir un fonctionnel métier intéressant. Hein. On est quand même au service d'utilisateurs. Par ailleurs, je ne pouvais manquer de préciser qu'en ouvrant l'accès aux formations informatiques, également à des cursus très variés, aussi bien littéraires, de droit, de communication, on parvient à féminiser un peu plus nos cursus de formation. Et sur des cursus, par exemple, de développement, on peut avoir jusqu'à 50% de femmes. Et sur le test, on peut atteindre parfois un taux de 80% de femmes. Donc vraiment, ces métiers-là sont accessibles à tous. Voilà, merci. Merci.